Bonjour, et bien voilà, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans un espace naturel où il fait bon se promener. C'est un endroit où je viens régulièrement faire de la marche. Et aujourd'hui, cette série de vidéos a pour objectif de vous présenter, de vous parler de certains principes de la nature. Pourquoi je vais vous en parler ? Tout simplement parce que ces principes que l'on peut observer dans la nature, eh bien, il s'applique à nous en tant qu'êtres humains. Bah oui, parce que nous aussi, on fait partie de la nature, on est un élément de la nature. Alors, quel est ce premier principe dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est important de connaître? Eh bien, c'est le rythme. Le rythme, il est là dans tous les jours de notre vie. Il est là dans le battement de notre cœur, justement, s'il y a du rythme. C'est que ça fonctionne. S'il n'y en a plus, c'est qu'on est mort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc le rythme, il est très important dans notre vie. On a du rythme aussi dans la nature. Là, vous voyez, on est à la fin de l'hiver, fin février. Donc les arbres n'ont pas encore mis leurs bourgeons. Donc le rythme va bientôt amener au niveau de la nature des bourgeons. Après, des feuilles, des fleurs, des fruits, avant de revenir avec les feuilles mortes à l'automne et que la sève redescende en hiver pour se régénérer, pour reprendre de la force, de la puissance. Et nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne pareil. Si on prend le temps de vivre au rythme des saisons, c'est-à-dire de se régénérer l'hiver, de refaire le plein, de faire les réserves pour être en forme au printemps et après exploser en beauté, en joie, en événements, enfin en projets qui vont être mis en place à l'été et à l'automne, eh bien ça va être beaucoup plus facile. Et pendant des années, je ne connaissais pas évidemment ces principes du rythme et je luttais contre le rythme de la vie, contre le rythme de la nature, et évidemment je finissais par m'épuiser, c'est bien évident. Donc ce principe du rythme, il est à reprendre en compte pour votre fonctionnement quotidien, pour ce que vous mettez en œuvre. Si vous essayez de mettre en œuvre un projet au fin fond de l'hiver, alors que vous n'avez pas préparé, que vous n'avez pas pris, vous n'avez pas rechargé vos batteries, etc., eh bien, ça va être compliqué d'avancer. Il faut avant recharger ses batteries, faire le plein, et puis après, on se lance beaucoup plus facilement. Voilà, c'était pour cette première vidéo, ce premier principe. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager à qui ça peut servir. Vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook à ma page et venir rejoindre le groupe éventuellement si ça vous tente pour partager justement un petit peu plus de choses. Je mets des informations tous les jours et vous aurez les liens sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous retrouve sur une autre vidéo que vous pourrez voir après celle-ci. Bonne journée, à bientôt !